intéressant. Là, on est le collectif Ibiza et on vient d'installer un potager sur un green de golf. C'est le green du golf de Saint-Germain-en-Laye pour dénoncer le fait que là, en période de sécheresse, pénurie d'eau, etc., les golfs bénéficient d'une dérogation pour pouvoir arroser. Là, on voit autour de nous que le green est particulièrement vert, alors que tout ce qu'on a traversé jusqu'ici était beaucoup plus sec et beaucoup plus jaune, en fait. Notre but, c'est pas ni de saccager le green, ni de dire en fait faut interdire le golf, mais c'est plutôt de poser la question des usages. Et là, on est dans une période où en fait le manque des ressources va s'accentuer. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les ressources qui sont limitées? Est-ce qu'on continue d'utiliser toujours plus de ressources pour ceux qui en ont les moyens, et tant pis pour les autres, et tant pis pour l'avenir? Ou est-ce qu'on réfléchit collectivement à qu'est-ce qu'on fait des quelques ressources qui nous restent? Je peux te montrer ma salade?